since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new... Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra de surveillance extérieure de chez EZ-Vis, hein, ou EasyVis, hein, comme on veut. Donc le modèle CTQ3W, donc un modèle 720p, le vendent aussi en 1080p, mais elle est vraiment chère en 1080p, c'est le double du prix. Donc la petite particularité de cette caméra, c'est qu'elle intègre une sirène d'alarme avec flash. Ça, on va regarder ça ensemble. Elle a deux antennes, hein, pour une stabilité de connexion. On va regarder si c'est stable aussi. Bon, on va faire un petit tour de la boîte avant que je vous en dise plus et un déballage. Donc sur le devant de la boîte, il nous indique bien que c'est le modèle en 720p. Donc caméra d'extérieur Wi-Fi qui intègre une sirène et une lampe flash, hein, stroboscopique. Donc c'est le modèle CTQ3W. Donc on voit sa forme, hein, avec ses doubles antennes Wi-Fi. Donc bien sûr le plus compliqué, c'est l'installation de ces genres de caméras. Il faudra toujours acheter un câble d'extension pour l'alimentation, ça c'est obligatoire. Donc même si vous avez une alimentation à côté, il vous faut quand même un câble d'extension. C'est toujours mieux puisque l'alimentation se trouve à l'intérieur de chez vous. Donc une vision de nuit jusqu'à 30 mètres. Ici, il a 1 mètre 100 feet, donc 100 pieds, hein, c'est en américain ou en Angleterre, je pense qu'il utilise, je sais plus. Mais pour nous, c'est 30 mètres. Un micro, donc à deux voix ici, donc on peut parler et entendre, hein, de 5 mètres. Donc on peut communiquer l'un vers l'autre. Du Wi-Fi 2,4 GHz, hein, comme d'habitude, hein, il n'y a pas encore de caméra, ou il y en a peut-être une ou deux sur le marché, mais qui coûte extrêmement cher en Wi-Fi 5 GHz. Une carte micro SD jusqu'à 128 Go pour le stockage, sinon on a un cloud, hein, EZ-Vis qui a son propre cloud qu'il faut payer. Ils offrent gratuitement l'essai. Après, si vous voulez, ben on peut acheter. Donc ça c'est bien. Qui est activé aujourd'hui, hein, quand j'avais fait la caméra C6N, le cloud n'était pas encore activé, il n'existait pas encore apparemment, en tout cas en Belgique. Une sirène de 100 décibels, donc qui a c'est assez fort, hein, quand c'est à l'extérieur. C'est juste pour faire peur, hein, c'est pour faire fuir la personne qui s'avance. Elle s'attend pas à se faire flasher par la lampe de la caméra et avoir un gros bruit, quoi. Donc vraiment, ça c'est une caméra placée où personne ne doit aller, comme ça vous êtes sûr. Et elle est waterproof, donc IP66. Donc on va passer au déballage. On enlève le petit scellé. Donc ce qu'on a, donc on a l'image de la caméra, on a merci d'avoir acheté, d'avoir choisi EZ-Vis, nous espérons que vous aimerez nos produits. Donc qu'est-ce qu'il nous donne ici? Ah bon, un autocollant pour faire les trous, ça c'est bien vu aussi. Un petit manuel, je ne sais pas s'il y a du français. Bah oui, il y a du français ici, c'est en quatrième position. Espagnol, français, voilà. Donc on peut le brancher en Ethernet directement, mais sinon il y a le Wi-Fi, hein, pour la stabilité d'image et la connexion, c'est toujours mieux le câblage, mais bon, c'est le Wi-Fi en général, il reste très très bon, hein. Bon, après, ça à vous de prévoir des amplificateurs, hein, de Wi-Fi si votre signal est vraiment très faible à l'endroit où vous allez la placer. Donc je ne sais pas si elle est compatible Google Home ou Alexa, ça j'ai pas regardé, puisque la caméra je l'ai eu pratiquement gratuitement avec le Black Friday à l'achat de la C6N.
Donc là-dessus, c'est pour ça que j'ai acheté aussi. Hein. Donc il fallait une caméra d'extérieur aussi. J'avais acheté l'Alpha White pour ceux qui se souvenaient. Je l'ai juste déballé, elle fonctionnait pas. Il m'avait même pas fourni l'alimentation, mais ça c'était normal apparemment qu'il n'y avait pas l'alimentation dedans. Mais elle fonctionnait pas. Donc je me suis fait rembourser. C'est pour ça que vous avez peut-être jamais vu la vidéo. Et ici on a le câble pour l'étanchéité, pas le câble mais les vis d'étanchéité, les vis pour fixer à son mur. Donc ici on a l'alimentation, donc c'est bien pour les alimentations. Bon, ça sera un câble très court, hein, mais comme je vous ai dit, hein, l'alimentation se fixera chez vous à l'intérieur. Donc ça, bien sûr, il faudra faire un trou assez large. Donc un trou assez large dans votre mur pour faire passer le câblage. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment pas ça. C'est pour ça que vous privilégiez des caméras avec batterie, mais qui sont moins stables. Voilà. Donc ça, c'est juste le petit défaut des caméras de surveillance extérieure, hein, faire passer les câblages sans abîmer son mur. Mais bon, si on a les bons outils, non, il n'y a aucun souci. L'alimentation, donc je vais regarder c'est combien. Donc c'est du 12 volts 1 ampère. Hein, donc c'est du classique pour les caméras de surveillance. Donc on va la brancher, hein, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est beau, c'est très beau, elle est un peu griffée ici apparemment. Un petit défaut ici, mais bon, ça se voit pas. De toute façon, ça, c'est censé être à l'extérieur, donc il n'y a aucun souci. Ici, on devra démonter pour installer la carte micro SD. Il n'y a rien d'autre. Ah oui, il y a aussi le reset apparemment à l'intérieur. Bon, ils nous disent bien 12 volts ici, 0,5 ampères max. Ils nous donnent du 1 ampère, ok. Mais bon, ça changera pas grand chose. Donc l'axe, parce que ça pivote, ça c'est dur. Ouais, bon, il faut forcer un petit peu. Ok, bon, ça va. Bon, on va l'allumer ici pour voir ce que ça donne. On va pas procéder à la connexion. Yeah. Okay. Donc je vais procéder donc à la connexion. Donc on va brancher l'alimentation. Le câble est assez court, hein, il doit faire 1m50. Voilà, c'est branché. On va aller sur l'application EZ-Viz. Voilà, est-ce que ça s'affiche? Oui, ici on voit, il y a trois LED ici, les trois LED. Donc là, on voit le contour. Donc trois LED rouges ici, et on voit le contour ici pour la lampe flash, hein, stroboscopique comme ils disent, strobe en anglais. Voilà, bon. Donc, moi, je me connecte à mon compte. Donc ça c'est l'autre caméra, donc je vais ajouter, donc là elle est en veille, hein, puisque je suis à la maison, elle n'a pas besoin de fonctionner. Et il faut scanner, apparemment il faut scanner le QR code qui se trouve sur la caméra, il est là. Bon, on va voir si c'est celui-là. Voilà, j'ai scanné le QR code. Device Wi-Fi configuration. Ok, parfait. Donc l'appareil est allumé. Suivant. Le voyant indicateur clignote en bleu. Est-ce qu'il clignote en bleu? Oui, il clignote en bleu. On le voit ici. Donc, je vais peut-être vous mettre la caméra comme ça, mais elle n'est pas stable. Oui, le voyant indicateur clignote en bleu. Voilà, parfait. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre eux. Bah, je suis à l'intérieur, donc là je n'ai pas fait la connexion à l'extérieur pour l'instant. Donc moi je vais la connecter à mon réseau. Il faut que je change mon réseau en 2,4 GHz. Donc là je vais procéder à la connexion comme ça. Je vais faire une petite pause ici. Voilà, je l'ai connecté au réseau en 2,4 GHz, c'est mon réseau pour la domotique. Donc comme je vous répète, hein, j'ai 4 réseaux ici. Donc, oui, elle nous dit bien attendez. Wi-Fi connected.
Ok, le wifi c'est bon. Alors, elle nous a dit que... Platform registration successful. Ok, elle s'est enregistrée. J'ai pas le temps d'expliquer. Configuration complete. Welcome to EasyBiz. Et là, on me voit. Donc, je vais vous mettre la vidéo, peut-être la caméra. Ici. En tout cas, c'est fluide, hein. C'est très très bien, c'est très fluide. Je suis étonné de sa fluidité ici, impeccable. Impeccable, elle est fluide. Alexa, diffuse la caméra extérieure. Plusieurs éléments sont nommés caméra. Lequel voulez-vous ? La caméra d'extérieur. D'accord. Alexa, arrête la diffusion de la caméra d'extérieur. Donc j'ai fait quelques tests de cette caméra pour vous donner mon avis définitif. Donc son gros avantage qui est devenu son gros inconvénient, donc je vais vous montrer, j'ai testé avec un ballon, j'ai fait des tests avec diverses choses, mais je vais vous montrer la vidéo, c'est la seule chose que j'ai filmé. Avec un ballon, elle détecte un ballon, elle fait sonner l'alarme, donc elle vous donne une notification. Et elle vous donne une alarme et l'alarme va s'allumer et tout ça. Bien sûr, ça dépend de la programmation que vous avez fait dans les paramètres. Bien sûr, si vous voulez qu'elle ne sonne pas, elle peut bien ne pas sonner et vous envoyer qu'une notification. Et c'est ce que je vais vous conseiller de faire. Si c'est une caméra d'extérieur, vous la mettez à l'extérieur. Vraiment, si vous êtes vraiment isolé, déclenchez l'alarme. Mais si vous avez des voisins, c'est pas la peine de mettre en fonctionnement l'alarme parce qu'un simple, un oiseau, je dis pas une mouche, hein, mais un oiseau va faire déclencher l'alarme, un chat, des animaux, hein, n'importe lequel, va faire déclencher l'alarme et ça va faire sonner la sirène et déclencher la lampe et tout ça, et c'est en pleine nuit, tout ça, c'est même pas la peine. Donc ne mettez pas la fonction notification d'alarme avec la sirène d'alarme, mettez une notification simple, hein, comme quoi vous êtes alerté. Comme n'importe quelle caméra en fait classique, hein, qui n'a pas cette fonction là. Malheureusement, cette fonction, c'est bien qu'elle est là, mais elle sera pas utile si on l'utilise dans une maison classique, hein, avec des voisins ou tout. Donc ça, c'est un petit défaut. La qualité d'image, moi j'ai apprécié, hein, même si c'est que du 720p. Moi ça me va le 720p parce que tout le monde n'a pas la fibre, et même si vous avez la fibre, la caméra n'est quand même qu'en 2,4 GHz. Donc toutes les caméras en général sont 2,4 GHz. Donc même pour le streaming vidéo et tout ça, moi je vais vous c'est le 5 GHz qui est conseillé. Donc le 2,4 GHz pour le transfert de vidéo, etc. Vaut mieux une image en 720p où on voit quand même tous les détails plutôt que du 1080p. Et là, le transfert d'image se fera plus long. Maintenant, avec le nouveau compressage vidéo, bon, ça va nickel. Les transferts de vidéos se font quand même assez rapidement et les fichiers sont moins volumineux. La vision de nuit, elle est bien. La vision de nuit, elle est bien. L'image est nickel, c'est bien, c'est très bien, ça fonctionne bien. Les micros donc en entrée et en sortie, sont très très bien. Donc le haut-parleur, hein, aussi, le haut-parleur plutôt, et le micro est très très bien. Donc on peut parler avec son interlocuteur sans problème, c'est assez fluide. Donc en image, il y a un petit défaut en image, donc il y a quand même quelques lags à la transmission vidéo. Donc si quelqu'un passe, on voit quand même il y a des lags. Donc c'est pas très très fluide non plus. Il y a des mises à jour qui sont faites, hein, régulièrement quand même, donc de la part de Zviz. Donc c'est le modèle, que je répète, CTQ3W. Pour le prix, hein, elle vaut 50 €. 50 €, c'est une bonne caméra d'extérieur, étanche, elle a tout ce qu'il faut.
Pour moi, ça va. C'est l'un des meilleures qualités prix qu'on peut trouver sur le marché parce que la qualité de vidéo, on peut payer en un accès cloud, donc on peut payer pour le cloud si on veut. Donc on n'est pas obligé d'insérer une carte micro SD. Donc on peut avoir les images sauvegardées. Moi, je conseille de faire ça. Ça coûte toujours de l'argent en plus chaque année. Mais si on veut une vraie sécurité, le cloud c'est toujours préférable parce que même si on vous casse la caméra ou on vous la vole, hein, même si c'est fixé, celle-là c'est plus difficile à voler puisqu'il faudra la démonter du mur. Mais bon, on peut toujours la camoufler, la cacher pour ceux qui savent qu'il y avait une caméra là, s'ils ont fait du repérage avant. Mais bon, il y a toujours, je vous conseille toujours des caméras intérieures et extérieures, hein. Ça c'est fait pour vous prévenir que quelqu'un est rentré chez vous dans un endroit qu'il ne devait pas aller. Donc ça, c'est l'avantage des caméras extérieures. Il faut la mettre dans un endroit où quelqu'un n'est pas censé y aller. Donc c'est une caméra câblée. Il faudra prévoir le câblage. Moi, je l'ai pas encore fixé. Je vais attendre l'été, hein, le beau temps pour la fixer. J'ai pas encore décidé non plus exactement où je vais la placer. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore fixé. Je vous ai fait un test comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo et mon avis vous a plu sur cette caméra d'extérieur. C'est une bonne caméra en résumé. Si vous désirez une bonne caméra d'extérieur, elle est bien, elle est pas compliquée à installer. EZ-V, c'est quand même du bon matériel. Donc moi je remercie encore les anciens d'être fidèles, les nouveaux d'avoir regardé et de vous abonner. C'est très gentil à vous. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Dago Dorwan.